Hey, il a le maillot et tout, quoi. Il a le maillot et tout ça, quoi. Ah ouais, carrément. Attends. Le maillot de la Belgique, les gars. On va parler un peu football aussi. Là, l'affaire du moment, c'est le PSG, forcément. On va, c'est bon, on va passer le match du Barça. Je veux plus parler de ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, l'affaire Aurier hier là. Parce que je sais pas si t'as vu, hein. Meunier il s'est blessé en fait. Et t'as Aurier, il devait rentrer pour le remplacer. Il a mis 8 minutes à se préparer. Il a mis 8 minutes à se préparer, les mecs. Ah ouais? Ouais. Donc c'est chaud, tu vois. Ouais. Après, dans ma tête, Aurier, depuis l'affaire Periscope, je pense que un an, deux ans après ça, il savait que Paris, voilà. Pour moi, Aurier, à la fin de l'année, surtout que là, cette année, il s'est fait, entre guillemets, sauter par Meunier. C'est dur de le voir prolonger à Paris, je pense. Après, est-ce que vous trouvez ça... est-ce que vous trouvez que c'est anecdotique ce qui s'est passé hier, ou alors c'est une faute professionnelle? Moi, je pense que c'est anecdotique, c'est pas si ouf que ça. Ouais, parce que si c'était pas Aurier, ça se trouve qu'on n'aurait même pas parlé, tu vois. C'est exactement ça. Le fait que ce soit Aurier, c'est sûr que ça fait... Mais bon. J'espère le Barça, ils achètent Aurier. Mais en fait, le Barça, le problème, c'est que c'est un club. C'est tellement l'image du club qu'ils veulent pas se permettre de se dire, ouais, si une affaire comme est arrivée au PSG avec Periscope se passe avec Aurier, ils peuvent pas se permettre, tu vois, qu'il arrive ce genre de truc. Je pense qu'Aurier, il est dans un club anglais, pour moi. Ouais. Même à Manchester City ou tu vois. Ouais. Manchester City, Aurier, ça pourrait être cool en plus. Comme Aurier, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et s'il veut partir, il veut partir. Hein. Faudra pas le forcer parce que sinon ça va apporter que du négatif. Les gars, là, je vous le dis, il a une équipe incroyable sur le papier. Enfin, ça veut rien dire. On a vu tout à l'heure Chenewar, il jouait contre un Ronaldo Totti et tout. Il l'a tué. Bon, après, j'ai pas le niveau de Chenewar. C'est vrai. Mais bon, on a signé chez Eclipsia, tu vois, ça rajoute un petit level en plus. Son. Wouh. Dommage. Suarez, ouais, c'est vrai que... Après, Suarez, est-ce que tu peux comparer? Parce que Suarez, tu vois, c'est quand même, pour moi, le meilleur neuf au monde. Donc limite, là, ils ont pu faire une concession, tu vois. Ils ont fait une petite concession. Mais bon. Non, là, je suis en train de changer les alliages de la chaîne, ça va bien. Aurier plus fort que Meunier. Pour moi, Aurier est meilleur que Meunier défensivement, pardon. Semaine, défensivement, ouais. Après, offensivement, Meunier il a montré qu'il pouvait apporter énormément, tu vois. Je vois ce que vous dites sur Suarez, c'est vrai. Mais après Suarez, ils n'avaient pas le choix. Il leur fallait un. Tu vois. J'étais un petit peu énervé de certaines choses, mais. Je pense qu'Aurier peut s'en passer. Il n'y a rien de personnel ou quoi que ce soit contre toi. Je vais en parler après tout. Bilan, les frérots, on est en 4-3, c'est atroce. J'ai pas joué ce week-end. J'ai mal commencé. Là, on va essayer de faire du bien. Le ratio, c'est l'arrogant. On le mettra après le ratio. C'est jusqu'à quand, les gars, le futur, s'il vous plaît? Jusqu'à quand on peut jouer, genre? Mardi, demain? Dites-moi tout. Je sais pas exactement en fait. Ce serait cool de savoir. De savoir s'il y a possibilité de le finir en live ou pas. Ou alors s'il faut pas dormir. Posez vos questions, dites ce que vous pensez de ce qu'on discutait là sur Aurier et tout ça. C'est ce qui arrive. Ouais, mais c'est encore de la mauvaise communication, toujours les mêmes problèmes. Au final. On joue en mode zone de danger, les gars. Regardez Son, il se bat sur tous les ballons. C'est un charognard. Faute le frérot, bien sûr. Demain 8h. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il me raconte. Il commence à 8h, les mecs, ils le mettent dans le chat. Non, ok, fut champion demain 8h, ok. Merci les gars. Je vais pas le tirer avec Eric Bartrand. Là, s'il me laisse Pogba au marquage, ça peut être très dangereux pour lui là. Ah, j'ai raté mon. Dommage. Là, c'est mon premier match. C'est mes premiers matchs officiellement en tant qu'employé. T'as vu, je repars de zéro. Pour moi, là, je peux faire que des victoires. C'est comme quand il y a une nouvelle année, tu sais, tu lances la FIFA, tu te dis. En 2017, j'ai perdu 0 match sur FIFA. Sauf que le premier match que tu lances, tu le perds. Tu dis merde. Au calme, PFU, t'es en 40-0, dans le plus grand des calmes, quoi. Dors pas. Ouais, je pense que si on veut le finir, faut pas dormir. Je m'en remets. Confiance quand m'en remet. Après, je vais vous mettre ma playlist, les gars. Je vais vous mettre ma playlist après, parce que là, le son, je le connais pas trop. C'est Tape qui gère.
Ouais, celle-là, c'est actuellement, c'est un c'est la... playlist random sur Spotify, je crois que c'est de chez Noir, je crois. C'est ça. Ok, lourd le ratio PFUT. Eh ouais, on est là, frérot, t'inquiète pas. J'ai gagné le là, depuis que j'ai gagné le match pro de Schneewar, enfin le match élite entre guillemets, je me suis senti pousser des ailes. Aïe! Yes. Let's go. Zone de danger, les gars. Il y a du danger là, y a... ouais, là c'était chaud. Qu'est-ce que danger, PFUT? Défenseur. Quand toi, tu connais pas la zone de danger. Bon, t'as fait 40-0, mais. T'inquiète. Au sneaky. Faut oui. demander à Schneewar c'est contre les pizzas à Zaret parce que je vais mourir. Quelle pizza vais... Et mourir devant le premier jour de travail, si vous avez je vais finir dans le livre des records. Vous avez plein de sushis et tout les gars. Ouais je sais mais les sushis c'est pas trop ma cam. Ah ouais. Ouais. Bah moi ça l'est donc gros je rends pas. Ah tape ça. Je vais m'en faire quelque chose. Tape ça dans le plus grand des cas. PFUT il a jusqu'à quelle heure je sais même pas. Quelle heure je live là? 23, minuit. Jusqu'à au moins 23 et après on verra. On verra. Ok. C'est ça. T'as vu le but de Depay, les gars, vous avez vu le but de Depay? Oh, j'ai pas vu gros, moi j'ai vu celui de Jallet, je suis resté con. Ouais, déjà, mais le but de Depay, de... Moi, je dit, le but de Depay, milieu de terrain, frère. Milieu de terrain. Mais quoi, il a fait un gros log, le goal au frais, c'est ça? En fait, le ça. Goal il était avancé, tu vois. Ouais. Mais même le goal avancé, de là, tu vois, tu te dis pas le mec il va tenter une frappe. Il la mettre, quoi. Et en plus, il est hyper malin parce que dans sa gestuelle, t'as pas du tout l'impression qu'il va tirer au début. En aucun moment, j'ai l'impression qu'il va essayer d'aller. T'as l'impression qu'il a même pas levé la tête et regardé le but, tu vois, c'est ça qui est énorme. Ah, je vois, putain. La force des grands joueurs, ça. C'est ça. Oui, il passe aussi grand. Allez, PFUT, on croit en toi. Merci, le frérot. Et un petit don. Alors, un sub. Merci à toi, Hydrix77, de soutenir le projet. Bienvenue, le frérot. Les gars, j'ai eu un poteau, j'ai eu chaud aux fesses. C'est bon, j'ai mon coach 40-0 à côté de moi, je peux perdre aucun match. Ouais, t'es parti sur une victoire. Là, je suis parti sur une série de fou, là. Je te le dis. Elles sont vachement belles, les animations. N'est-ce pas? Faute, petit accrochage enfoiré. Ah c'est le Barça en face, y'a pas de pénalty les gars. Ça siffle pas. Je rigole les Barcelonais, c'est bon, vous avez gagné 6-1, je peux plus vous clasher, qu'est-ce que je peux faire? Pouh. C'est trop facile les gars. Dedans? Ouais calmement. S'il pouvait racheter, tu vois, ça me. Ça serait cool. Le problème c'est qu'ils ont du mental là généralement. Non, c'est ton compte ou celui-là chez moi? Là c'est bien là. Mais j'ai quand même gagné un match sur le compte à Schneewar. Il m'a laissé la mettre en plein match, l'enfoiré. Ouais. Il a rage-kit. Je l'ai fait rage-kit. Mais non. Ouais, j'ai mis un but, il a rage-kit, je comprends, mais. Il a fait combien à Schneewar? Schneewar, il était en 36 là. Il va viser le 34-6 du coup. Aïe! Yes. Faut pas prendre un but parce que sinon, généralement, les mecs ils mettent un but, ils pensent qu'ils sont chauds et qu'ils peuvent revenir, tu sais. Donc ils rage-kitteront pas. Si je le mets 3ème, il rage-kit. Donc faut pas en prendre. Ok. Je sais pas ce que vous pensez de mon équipe. Moi j'aime bien franchement. Le frérot Tape il va me mettre l'album de Ous sur Spotify là vite fait. Ous il finit son truc, ouais il a sorti un nouvel album. Tu connais pas Ous? Mais comment tu passes, je t'appelle Ous, c'est possible. Si H2OSS. H2OSS ça passe mais ouais. Ous. Non enfin Ous genre Ousman. C'est pas un H2O? H2... Non, pas. Ouais, il a écrit H2O comme si c'était de la cristalline. Non, non mais H-O-O. Non, je t'ai dit H2O, genre B2O, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi j'écris ça, je me suis dit, ok. Je mets quel album? Bon, mais là tu m'as sorti. Attends. Mais H-O-O. Ouais. Parce que là c'est pas le bon. Uzi, ça doit être un rappeur qui a pas percé, je crois. Uzi. H-O-O. Ah non, il y a un seul O, pardon. H-O. Il a pas marqué O. Mais deux S, voir. Alors non, c'est deux. C'est bizarre. C'est deux. Ous. Voilà, c'est ça, Ous. Et tu mets temps plein, là, la dernière nouveauté, c'est le nouvel album. Tu cliques sur ça, là, temps plein. Et tu. Ce que tu veux. Mets-moi à 50. Ouais, ce que tu veux. À 50. Ça me rappelle mes vacances à Barcelone, les gars. Vous allez voir. Allez, si je peux lui mettre le troisième, lui. Aujourd'hui je commence la journée avec un gars. J'ai assuré avec des gens, ils étaient ingrats. Elle se met en position, je roule un joint, j'écoute du son. Alcool dans la cristalline, massage avec finition. J'aimerais avancer dans ma vie. Dommage, hein.
tu viens plus grand. Y'a pas d'attache, ils étaient là avant nous, mais on a pris leur place. Je peux pas fonder le monde, j'ai mon job qu'à 5 ans. Je suis en Espagne, je peux choisir, elles sont toutes à 5 ans. Allez, allez. C'est pas ça dès qu'il arrive là. Oh là là. Ah, j'en ai fait trop, c'est la fin de trop. Non, j'avais mis bien sur le steak la fin, ouais. Ça passait. Il est pas bien en face là. Il s'appelle Georges, je refais attention. Georges, c'est un nom de quarantenaire un peu. Cinquantenaire même. À la cool avec son petit pilon comme ça, en train de jouer. C'est Georges. Ouais. C'est moche. Il a pas de chance parce que ça fait deux poteaux qu'il me met. Si je lui mets le troisième, il rage quitte, je pense. Ouais, parce que sinon, il va casser une manette. Non, Georges, il est cool. Genre, il s'en va écouler. Georges, il joue à la cool, tu penses? Il est pour le mêler. Lui, c'est pour le plaisir. Genre, je le sens. Football champagne. Il a commencé lécher là. Il commence à me faire peur, le Georges là. Mais il a une équipe de fou, par contre, je crois. Ouais, ouais, il a une équipe de taré. Que des couleurs bizarres, tu vois. Il doit craquer là. Mec, ouais, ouais, là, il doit craquer. Je pense que le prof, il tolère pas trop les dégagements comme ça, mais c'est pas grave. Si, moi je valide tout. Tu valides tout ce que je fais. Tout ce que je fais, tu valides. Tout ce que elle flaco dans cette 2, moi je valide. Trop de lui, il fait peur, il va en mettre un, il va en mettre un. C'est un peu sur Mané, juste. Hein. Ouais. Ouais, ça va, il maîtrise pas vite, il maîtrise bien Mané. Qui ne maîtrise pas Mané, j'ai envie de te dire. Il a vraiment cette épaule, le con. Hein. Allez là. Faut que je mette le troisième. Troisième, il casse une manette, genre. Attends, je vais juste voir, parce qu'apparemment ils ont commandé pas mal de pizzas. Ah, ce serait cool. À manger. Merci le frérot. Je pensais à mon alimentation. Oh, attention, c'est Mané. Oh, c'est Mané, c'est Mané, t'inquiète, c'est Mané. Oh, ça bégaye. Eric Bertrand. Le fameux. C'est fait, il est. Ah non, Sneaky, il est fondé, parce que j'allais dire moi, non, ça va. Où tu vois ça? Dans tes yeux. Mais non. Dans tes yeux, ça se voit apparemment. Non, okay. Non, eh les gars, lâche sur des 40 matchs, les gars, laissez-moi tranquille un peu là. Les gens ils sont durs. Carrément, ils savent pas que c'est un vrai coup de chambre, tu me donnes vraiment ta vie pour la patrie, tu vois. Ah là, tu l'as joué pour la France, vraiment. Ah, vraiment, c'est pas pour moi que je l'ai fait. Hein. Tu l'as fait pour les Français. Je l'ai fait pour le peuple européen, même, pour te dire la vérité. Hein. Oh, mets-le un petit logo. Oh, 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 oh. Ah, tu l'avais pas vu venir là, le passe en retrait. Parce que je pense qu'il l'aurait loupé, tu sais. Le... J'aurais jamais osé, mais moi j'aurais marqué. Tu penses? Non, en vrai, non, j'aurais peut-être pas marqué, mais la passe était. Bon, les gars, il a quand même. Visionnaire. Les points forts et points faibles de ton équipe, Sneaky. Parle-nous en un petit peu, parce que t'as quand même fait un 40. Gros, ils ont tous porté leurs couilles. Ils ont pas fait une. T'en as pas un qui a pas porté ses couilles durant Split Champs. Pas un seul, hein. Ils ont pas fait une Paris Saint-Germain. Non, clairement. Aucune pas. Aucune peur. Clairement pas. Eux, c'est vraiment, ils étaient là pour la victoire. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire, tu vois. Ouais. Y'a pas de 39ème match, on commence à paniquer, on parle chinois, on. On a, ils étaient tous au top là. Mention spéciale peut-être à Cristiano, forcément. Mention spéciale à Manolas, à De Sailly. Kanté, il bégaye. Ah, il a pas bégayé. Solide, solide, tranquille, ça va le faire. Faut faire attention, mais. Et une grosse mention spéciale pour Smyshell, le gardien. Voilà, 4 mentions spéciales. T'as pas un gros match. Et Nengolan, voilà. Nengolan, si, si. Eh, j'ai vu des matchs, mon gars. Il y a un moment, tu galérais de ouf. Et Nengolan, il y a c'est vrai qu'il m'a quand même sauvé 2-3 matchs vraiment serrés. C'est Nengolan qui marque, ouais. Et c'est ah. AMC, n'oublions pas. Non, après, en vrai, tous, ils ont tous été trop trop forts. T'en as pas un qui m'a déçu, hein. En vrai, ouais. Même Perez aussi, la bonne surprise, Perez. Hein. Ouais, Perez, il a mis ses buts aussi. Magnifique, hein. Oh, oh, dommage. Allez, Georges, quitte. Qui, George? Putain, j'ai fait un truc, les gars, je me sens comme PFU en termes de fave là. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est propre. Je vais le retweeter, t'inquiète. Mais non, je vais le retweeter. Aïe, aïe. À moi, les salopes. J'ai fini en 28-12, j'ai la rage. Ah ouais, c'est pas facile ça. Wesh, qui t'arrive en salope quoi, mec? Je l'ai marre, il joue à Shadow Lord, je crois. Non, non, les gars, le 40-0, c'est PFU, c'est pas moi, les gars. Il a fait 40, t'as moins les cheveux et continue encore. On va le tenir, on va même lui mettre au troisième. C'est quand même chou de gros, t'as un maillot rouge et noir, tu peux mettre une couleur bleue sur la. J'adore Nice. Vive Nice. T'as vu la blessure qu'il a pris Cyprien là? Ah, un truc de fou. Horrible. Hein. Horrible. Bah, pas horrible, mais tant qu'il va pas jouer avant un moment. Bah là, c'est bon, fin de saison, c'est officiel. Ouais, c'est sûr. Là, non, j'ai pas vu le diagnostic, mais j'ai juste vu comment. Il peut venir signer un contrat chez Eclipse s'il veut. Après, c'est les moins qu'il fasse, on le prend pas quand même. Non! Oh, oh, non! Il doit vriller, ça va la pluie. Il doit péter un plomb. Non!
Il doit péter un plomb. Attends, il faut qu'il mette un poteau là gros. Non non c'est bon c'est bon c'est bon. Oh il doit péter un plomb. Alors là je lui mets un but, il pète un câble. Ah le contrôle il va être mauvais. Oh il doit péter un plomb le mec là. Troisième poteau du match et là le poteau il est horrible. 85ème après dans ce travail son pourquoi. Ouais mais bon. C'est quand même quand même poteau. C'est qu'à la balle aurait pu rentrer. Ah mais non poteau. Allez on se bat là, on en prend pas en l'année dernière. J'ai l'impression que c'est vachement loin là, ça c'est solidaire gros. Ouais ouais. Tu peux te passer la main en douce ou pas? C'est le match pour le 40 ça. Ouh, ouf. C'est le match pour le 40. Allez. Il va jeter sa manette sur la télé, ouais je pense, lui il a craqué là. Attention à Bethlehem gros. Allez. Attention à Bethlehem. Oh je l'ai fermé la tête gros. Il est là. En gros, il a fait un gros dégagement en direction des cages. Allez, t'es plus rapide le frérot. Oui, il est plus rapide. Ouais, mais il va mettre un coup de physique ce bâtard. Passe à côté. Oh putain. C'est bon, il est en pagaille. Attention gros. À la cool. Je vais lui mettre le troisième, à la cool. À la cool. Olé. Non, dommage. Olé. C'est bon. Oh, il doit être fou, il doit être fou. Il doit être fou. J'ai fait un gros début de match, mais le deuxième, elle était à lui la mi-temps, franchement. Il a pas des vérités, mais écoute. Mais après, il avait une meilleure équipe que moi, donc il mérite de perdre. Ça s'est joué, je pense, à l'expérience. Oh, t'es marié, par contre. Rentre tout 40-0. on est plus près du 40-0 que. Ouais, franchement, on est près. Hein. Tu peux faire combien en max? Bon, je sais pas, je suis en 5-3. Je suis en 5-3. Tu peux faire élite? Tu peux faire un petit 37, facile, un petit top 100. Ouais, un petit top 100, allez. Let's go! Il t'insulte dans sa tête. Ah, mais pas que dans sa tête, à mon avis. Hein. Ah, là, il a dû insulter ses gosses, le Georges. Le Georges, il en a plus rien à foutre de la vie de famille là. Ah, ça me dit ça, règle ce gros, il est dans sa chambre, mais il est puni au moins. Défaite comme d'hab, il joue que la première mi-temps. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à. J'ai tendance à jouer. Après. À jouer mes premières mi-temps et après. En même temps, quand j'ai Sneaky qui vient sur le canapé, comment tu veux pas. Je suis perturbé. Attends, gros, tu sais que. Je l'ai pas fait, mais j'ai déjà pour les 10 balles pour que t'ailles à Miami, gros. C'est vrai? J'étais pas loin de le faire, j'ai dit. C'est quand même chaud, 10 balles. Ah, 10 balles, 10 balles. Tu as 10 là ou pas? Mensuel? Je pense. Tu veux regarder le top 10 mensuel là? Ouais, tu peux voir le classement peut-être? Ah, ouais, vas-y. Quand vous allez me voir en haut de la liste, vous allez pas être prêt. Avec Flaco, ce sera pas un bug. Sans meilleur. Oh les bâtards, je suis pas top, vas-y, descends. Si tu vas être 7-8 là. Quoi? T'es où? T'es 9. Ah, mais ça c'est moche. Ça c'est pas normal que les mecs. Ah ça y est, l'autre il a joué plutôt que l'autre et il a plus de points, tu vois. T'es mensuel, du coup. Mais gros, on est combien? Attends, attends, ça c'est le world, c'est pas le world. Rapide. Ça? Ça actuel, mensuel. Super. Toi, faut que tu sois dans combien? 10. T'es 12. T'es chaud? T'es sûr que c'est l'Europe ça? C'est pas mal. Il y a encore une semaine à faire. Ah non, non, vas-y, mais. C'est quasiment l'Europe ça ou pas? Ah, c'est le monde. Ah, c'est l'Europe. C'est bon là? Non, 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 là il est dans son meilleur en fait. Ah, faut que j'aille en. Vas-y, fais frère, toi tu connais. Tu connais mieux que moi. Europe, actuel, mensuel. 10ème tout pile là pour l'instant. Ah, il est 10ème. Oui, oui, oui. Oui. Et ben on peut plus te repasser devant là. Ah si, il y a encore une semaine. Deux semaines. Ah ouais, deux semaines, on va falloir se concentrer. Attends. Mais tu peux le refaire. 38 minimum. Tu peux le refaire deux fois. Tu peux le refaire. Attends, mais c'est qui là? C'est qu'on a. Attends, lui il est qualifié donc lui c'est bon. Ah ouais, donc ça va. En gros, ça. Et Gorian aussi, donc normalement là je suis 8ème en gros. Bullock il est qualifié non? Non. PDDR, imagine t'es un daron, tu joues à Fut Champion, tu vrilles et y'a ton gosse qui te casse les couilles. Vous savez que ça c'est une vraie histoire, parce que j'ai un pote à moi, il était dans ma classe, et genre quand il se faisait punir par son daron, bah il le punissait, il l'interdisait de console, mais le daron il jouait H24 à la play. Donc comment tu peux interdire ton, tu vois? Ouais, c'est bizarre. du coup il était, généralement il était pas puni longtemps. C'est brésil. Ça c'est à côté de son frère, son père, il le regardait jouer, c'est bon. Attends, même genre t'as un daron, tu vois, tu joues tranquille et ton fils est à côté, tu sais. Ouais. T'as la mort un peu, je pense. T'as la mort qui sont là, tu sais, parce que tu viens de le laisser jouer. Après, tu as pas envie. Ouais, je pense. Walker. Tac. T'as mec qui où t'as mis? Ouais, bah obligé, hein, quand tu rages. Quand t'es pas chez WC et que tu perds tes matchs. Let's go, les gars. Putain, je suis claqué, gros, c'est n'importe quoi là. Ah, c'est bien, là t'es mérité ta nuit après. Hein.
Là tu mérites limite de dormir avec une... Avec une belle meuf là. Ah ouais là tu mérites hein, franchement. Les gars, hey, vos meufs les gars, j'ai quand même fait un 40 zer. Dites-leur. Les gars, je suis sur Paris Sud hein. C'est qui le PSG en tout cas plus fort que... Oula. Sneaky craque pas pour les deux semaines, t'inquiète pas, il va pas craquer, je serai à côté. Il va rien craquer du tout. Il reste 3 semaines. Sinon c'est moi, je vais lui craquer son slip. Ok, je joue avec Balotelli en point, je peux pas perdre. Il est chaud Balotelli dans le jeu. Ah gros, tout à l'heure j'ai parlé chinois contre une Ligue 1. Ah ouais, ah ouais j'étais genre... Généralement tu sous-estimes en fait, tu te dis Ligue 1. J'ai un 37-0, Itex, Draxler, Copano, ouais. Intervalle, l'appel dans notre Verratti, tout, ouais. Je sais pas bien. Allez, let's go les gars, tous les matchs c'est des finales. C'est ça qu'il faut se dire. Les gars, j'ai été au casino hier, c'est la première fois que je ressors du casino avec du bénéf. Mais non. Bon, c'était pas un gros bénéf, hein. J'ai fait 40 euros de bénéf. Ah, pas mal, quand même. C'est bien, c'est mieux de repartir avec plus 40 qu'avec moins 200, tu vois. Parce qu'en plus, t'as fait ta soirée, en plus, t'as gagné de l'oseille. C'est comme si j'avais bossé en fait. C'est ça, c'est ça. Après, le seul truc qui casse les couilles, c'est qu'en gain, t'es obligé de payer l'entrée, ça c'est chiant. Ah, combien? 16 balles. Ouais, donc 24 euros de bénéf. Ouais, plus le parking, mais en fait, tu fais pas de bénéf. Tu fais pas de bénéf. Après, il y a des filles mignonnes en gain, tu vois. Plus un petit verre, je pense, non? Ouais, t'as le verre. Après, la console est un peu ridicule, je t'avoue, mais. Mais non, c'était chaud, un jour tu viendras avec moi. Oh. Là, ça va être. Franchement, j'y suis retourné hier, j'ai envie d'y retourner tous les jours. Ouais, non, mais franchement, moi je suis vraiment un fanat des casinos. C'est vrai. Mais genre, je gagne jamais, c'est chiant. Mais moi, je kiffe trop la roulette. Moi, je joue que à la roulette. Roulette aussi. Mais roulette, franchement, je me dis, si tu joues pas. Si tu joues malin, comme j'ai joué hier, tu vois, je peux faire du bénéfice. Après, je te cache pas, il y avait un daron à côté de moi. Bah, lui, c'est un show, lui, c'est expert. Il était fou, frère. Il arrive à la table, il arrive, il me dit, je viens de perdre 700. Non, il m'a dit, je viens de perdre 1000 euros ce soir. Mais non. Je me dis, oh putain, lui, il est pas bien, tu vois. Il est pas bien. Il rentre, il met 100 balles sur la machine, billet vert. Déjà, hop, ça calme. Moi, j'ai mis 50, t'as vu. Il arrive, billet vert. 50, c'est même chose, déjà. Il arrive, billet vert. En fait, il met toute sa somme, il la met sur chaque tour, il met tout. En fait, il met tout sur toute la grille. Et t'as vu, il fait sur deux zones. Donc t'as 2 chances sur 3 que ça passe. Ah, et ah, en plus c'est genre 11-12, enfin 1-12, ouais. 12-24, voilà. Et après, dans le français, c'est et en plus, ouais c'est ça. Et en plus t'as la chance si ça tombe sur ton score. Enfin comment dire, des pièces qui sont exact. Un peu partout. Et si ouais. ça tombe sur le numéro exact, ça te 36 fois t'as mis, tu vois. Ah mais ça me plaisait, puis j'ai lui mais genre ah ouais, 1-12, sauf... numéro 24, numéro 36. Ouais c'est ça, sauf que moi au début je doutais pas de ça. Moi j'ai les fauché. Oh. Ouais, tu sais les arrêter les pneus ou... Attends vas-y, moi j'ai une petite technique, je sais pas si ça a marché. Vas-y c'est pas grave. Et bref, il arrive, il met 100 euros. Le premier coup, il les perd. Il remet 100 euros, il les perd. Il va jusqu'à 500. Ah, par contre, ça va être dur. C'est chiant, ça va. Et du coup, attends, il fait quoi? Il met 100 balles, il perd. Il perd 500 balles, frère. 500 balles, je me dis, ouais, il est chaud. Et après, il a remis un 100 balles. Oh, ah, dommage. Après il remet un 100 balles et il se refait et il fait 800. Mais non. Il veut refaire un coup. Je lui dis, hé, arrêtez, je le sens pas le prochain coup. Il me dit, t'es sûr? Je lui dis, non, franchement, arrêtez. Et le coup qu'il voulait mettre, il aurait perdu. Il m'a dit ah merci Genou. Merci, ah ouais merci Genou. J'espérais qu'il me lâche un petit billet vert. Ah non, mais les multimillionnaires en vrai, sans foirer là. Tu sais pas, après ça se trouve, c'est des mecs qui sont endettés. Ah, frère, ouais, ils font des crédits. Hein. Il a vu tout faire ça dedans là. Ouais. Il y avait son fils derrière, il essayait de lui dire arrête et tout, mais frère, il l'écoutait pas. Ah ouais, c'est vraiment que le mec est pas super riche alors. Et puis même, il y a des mecs qui sont venus à côté, lui lâcher des ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Si, je viens toujours, t'inquiète et tout. Putain, là-bas. Ça, c'est quand même chaud comme ça. C'est les mecs qui. C'est bien, mais. Non, c'est une maladie après, frère. Tout le monde regarder, c'est sympa, tu vois, mais c'est à tous les jours de. Moi, je pense que si tu vas tous les jours, c'est dangereux. Clairement, oui, je suis d'accord. C'est dangereux. Après, peut-être tu peux se le permettre, tu sais pas comment il gagne le mec, tu vois. Ok, bon, son fils il y va pas, c'est pas bon, tu vois. Ouais, je sais pas. Oh ouais, oui. Non, let's go. Sneaky, il me l'a pas arrêté, je le tire tout seul. Mais non, mais j'étais pas loin, ok, gros. Mais c'est que j'ai Mito, t'as dit 30 euros, ouais, je t'ai dit 30 euros parce que j'ai gagné 40, mais moins le parking, moins. Enfin, ouais, bref. Je suis reparti en bénéf, on va dire. Il a eu 30 balles hier, plus vite, mais. Let's go. Tu l'aurais mis où? Je l'aurais mis à droite. Ça serait passé aussi. Qu'est-ce qu'on dit? Non, mais franchement, au casino, j'étais avec mon pote, je lui dis, regarde, tu regardes autour des tables, les gens, t'as l'impression, ils viennent de perdre un 8ème de finale contre le Barça. Tu voyais que des gens, ils étaient pas bien. J'étais en train d'appuyer sur le truc. Mais ouais, mais. Non, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que les gens, ils remettent, tu vois, ils remettent. Jusqu'à temps, limite, ils gagnent un truc. Le pire, ouais, non, mais ce qui est marrant, c'est que t'as l'impression que les mecs, ils s'amusent même pas, tu sais. Ah non, c'est pas de l'amusement. C'est une obligation, limite. Ouais, c'est ça. C'est limite leur taf, tu sais. Alors que c'est pas trop rentable, je sais pas si c'est au courant ou quoi les mecs. Ouais. Mais... Après, le daron là il nous a dit, il a gagné. Il a déjà gagné. 100 000 euros, mais il a perdu combien? 24 000 euros il nous a dit. Mais après, il faut savoir combien il a perdu, tu vois. C'est clairement. 24 000 euros c'est bien, tu vois. J'ai perdu 1000 balles hier, gros. Ouais, c'est ça, donc t'imagines. S'il va tous les jours. Là, tous les jours le mec en fait. C'est qu'il peut perdre. Enfin, 24 000, il a fait quoi le voyage autant? Je
Je sais pas, frère, je sais pas, hein, il a fait quoi. Je pense qu'il est quand même une bien belle soirée, genre là. Wouh, let's go! Magnifique, gros, superbe. Du grand pépute là. Ah, du grand pépute. À 10, à 10, les amis. Hein. À 10, ouais, mais faut pas. C'est exactement comme les parieurs sport. En fait, tu te dis, frère, je viens avec le salaire que j'ai gagné ce mois-ci, je le pose sur un des deux, je peux me doubler. Mais après, tu peux le perdre aussi, tu vois. Tu peux seulement te dépanner, moi. Après, ouais, voilà. Et tout ça, tout dépend si t'es un mec généralement en jeu qui a de la chance ou pas aussi. Après, Après, moi, je trouve ça quand même. Tu es un mec chanceux ou pas? Franchement, il y avait trois sarts à l'extrême. Franchement, je suis pas chanceux habituellement, mais moi, je trouve que la roulette, c'est pas technique. Yeah, c'est un jeu de probabilité, ça veut dire. Non, en vrai, c'est quand même de la chatte. Parce que, ouais, c'est quand même de la chatte. Quand il arrive, au maximum, t'as 49% de chance de gagner. Non, non, en fait, ouais, voilà, c'est ça. Mais après, ça va vite, ça va vite. Tu vois, avec le petit machin vert qui est au milieu là. Ouais, ouais, tu vois, quand le 0 il tombe et que t'as joué sur le rouge ou le noir, ça fait chier, tu vois. Ouais, clairement, ouais, c'est ça que je parle. Mais gagner en terme, après sur un coup de chat, tu peux très bien te mettre bien. Ça pourrait être un bon projet pour Eclipsia. On arrive, on fait un live casino. Ça pourrait être le feu, ça. Après, faut voir si les casinos ils t'embrouillent pas. Parce que ça, généralement, faut pas trop filmer. Ouais, généralement, les casinos, t'as vu, c'est. Ah, t'as pas le droit de filmer ? Genre, ça fait la pub et tout. T'as le droit de. Je sais pas. Ouais, après, ça tout dépend, je pense. Ça serait quand même un petit peu. Après, même, jeu d'argent, tout ça, gros. Je sais pas, c'est quand même spécial, casino. Ouais, c'est spécial. Comme moi, j'adore ça. Après frérot, moi je me dis, je pars du principe, je prends 100, 100, 150 balles, je les perds. Si j'y vais, je les perds. T'as perdu 100 balles, tu vois. Et au final, tu peux gagner, tu vois. Mais faut te dire, je les oublie, tu vois. Ils sont mis, ils sont perdus. Donc, ouais, faut te dire gagnes, ça. Toi, tu sois, voilà. Si tu perds, tu les perds, tu savais, tu vois, le risque t'encourait. Mais parfois, moi, je vais les récupérer en misant... Voilà, c'est ça. Si tu pars de ce principe-là, peut rien t'arriver. Pour ça, moi tellement je suis crevard et naze à la roulette, je pars avec des 20 balles, 10 balles. Mais tu viens avec moi, t'inquiète pas. Et puis moi je fais des mises à 1€, 50 centimes. C'est ça qu'il faut faire. Moi je fais des. Hier c'était 2€ minimum. Ah putain, ok. Hier j'arrive sur le truc, tu vois, c'était des jetons. Le jeton il avait écrit 1 dessus et la mise minimum c'était 5€. Mais moi je croyais que c'était 1€, tu vois, j'ai pas fait attention. J'arrive, j'ai mes 50€ dans la machine. C'était des 5€. Moi j'en pose 4. J'en pose 4. Il était comme ça, reçu un rempli là, ma soirée va vite se faire. Ouais, et après mon pote il me dit. Pourquoi il te reste plus 10€? Je dis qu'est-ce que tu racontes? J'ai mis 4€. Il me dit non, c'était 5. Je dis putain, et j'ai perdu le coup. Mais non, après je me suis refait. Petit à petit. Ouais, je me suis refait après. Et tu vas pas être je me suis refait direct. Tu vas pas être en confiance, hein. Ouais, mais bon, c'est le jeu. En plus, le premier, tu l'aurais gagné, là. Tu aurais mis. Ouais, je l'aurais gagné, j'aurais été bien. Ouais. Mais bon, direct, ça a été. Le karma était pas là. Mais après, je me suis refait, donc ça va. Attends, mais c'est quoi, genre, c'est quand même que tu vas mettre plus de minimum 5€, tu sais. Putain, là, ça va être dur, hein. Minimum 5€, bah en fait ça dépend des machines. Attends, ouais, attends frère, pause. Y avait pas 2-1 il y a 2 secondes. Ouais, y avait aussi 3-1 à la 88ème, hein, PSG Barça, tu sais. Non, mais là je te parle de là, gros. Non, il m'en a mis un autre là, il m'en a mis 3-2. Y'avait combien t'as dit 3-1? Mais non. Frère, t'as mis le péno. J'ai mis. Un partout, t'as mis un but et là tu perds 4-2, gros. C'est pas facile là. Mais gros, mais on parle trop, on parle trop. Gros, ok. Au pire, toi, anime, parle de ce que tu veux, mais moi je. Non, sur lequel, gros, laisse-moi tranquille, moi je suis là pour t'assister là. Non mais franchement si on en met un avant la mi-temps tout est possible. Non et les gars il s'est pris une barcelonaise là. Pourquoi attends mais sur les... Oh les gars qui a vu les buts qui s'est pris. Pas ça Sneaky, j'avoue Sneaky tu vas faire la fin. Sneaky il a plus envie de jouer cet enfoiré. Non mais les pizzas elles vont jamais arriver, moi j'ai faim frère. Je crois sans moi je pense hein. Tu veux que j'aille voir? J'aimerais bien parce que j'ai peur de pas manger avant minuit. Tu vois mais bon les frérots, bienvenue à tous. Non sincèrement les mecs d'Eclipsia, vous êtes contents de ma venue ou vite fait? Ah le match il est plié les gars. On a craqué fort. Non ce match on a craqué. Mais j'ai trop parlé aussi. Il me fait parler lui. Mais le rouge déjà il partait mal sa mère. J'ai pas envie de quitter tout de suite. J'ai envie de voir un peu si on peut rentrer fort dans la deuxième. Mais c'est chaud. Vite fait. Ah merde. Ça c'est dommage. T'attendais l'arrivée du nouveau streamer. Tu vois la gueule du nouveau streamer. T'es pas content. Ça c'est dommage. Après peut-être y'en a d'abord ils sont pas contents. Tu vois je vais essayer de les faire démanchir au fil des streams hein. C'est mon but premier. Moi si je fais de la qualité je pense y'a pas de problème. Si j'évite de prendre des 5-2 y'a pas de problème. T'es qui? J'étais chômeur il y a encore 1h30. Je suis officiellement travailleur, frère.
c'est lourd que tu sois là, gros. Bah, c'est lourd que tu sois là aussi, hein, frérot, parce que sans toi, je suis pas là. Donc, merci à toi. Bon, on va quitter parce que ce match, franchement, à 10, à 11 à la limite, là, à 10, ça sent le Barça, là. Ça sent le Barça. Faut quitter. On a rien vu, les gars. Putain, la semaine, elle est sale. C'est ça de marcher à Paris, c'est sale. T'es là jusqu'à quelle heure? Je sais pas, à 23h, je crois. FC Bonobo, frère. Il m'a déglingué. Vous avez déjà vu des bonobos qui copulent? C'est très très étrange. Comme ce qui vient de se passer, c'est pareil. Pareil. Salut, petit Flo. Oh, petit Flo 56. Putain, on est en 5-4. C'est le pire début de champion que j'ai fait de ma carrière. T'en penses quoi de ta carrière? Et à tous les matchs, je prends un rouge. Ça, c'est pas bon. Je peux mettre qui, les frérots? Première ligue. But contre quoi au premier match, ça c'était affreux aussi. Mais on l'a gagné le match, donc ça va, tu vois. Le gameplay c'est secondaire. Ouais, j'espère, même si. Je vous avoue que là, Future, je sais très bien que je pourrais rien viser. Mais la semaine prochaine, je commencerai mon Future sérieusement ici. Et on essaiera de viser Elite, c'est faisable. Par contre, moi, j'avais chaud tout à l'heure, là j'ai froid, frère. Let's go. Tu vas à PSGOL, je pense, ouais. Faut aller soutenir là, plus que jamais. C'est maintenant qu'il faut aller soutenir. C'est pas quand on gagne. Pas tant qu'on gagne 4-0 à l'aller qu'il faut soutenir. C'est quand on perd 6-1, faut montrer qu'on est toujours là, tu vois. Et les ultras là qui étaient présents à Lorient, ça m'a fait super plaisir parce qu'ils étaient hyper nombreux. Donc voilà, ça fait plaisir. Les gars, j'ai fait une séance brin tout à l'heure, j'ai tellement mal là. Tu gères encore des go avec ta coupe? Bah non, mais moi j'ai ma copine donc ça va, t'as vu, j'ai pas trop besoin. Mais ma meuf elle aime bien, elle m'a dit ça te donne un côté. Mec qui sort de fleurimérogiste, t'as vu, un côté gangster, elle m'a dit. Ça te fait un côté gangster. Elle doit penser à Michael Scofield quand. Tu vois? Non, au calme. T'as vu des récompenses mensuelles? J'avais eu quoi? Mensuelles, j'étais argent, frère. J'ai pas assez joué. Lorient a bien joué, ouais, moi je savais que ça allait être un match serré. Parce que déjà, vu la claque que le PSG ils avaient pris, PSG moral dans les chaussettes. Et j'avais mis PSG gagne d'un but d'écart. Parce que Lorient, je les aime bien, tu vois, mais PSG pouvait quand même pas se permettre de perdre. Mais je voyais que c'est un match comme ça, tu vois. Quand je vois 2-0 PSG, je me suis dit putain, mon pari il va pas passer. Et au final, Lorient qui marque son but. Siani, je crois, qui a mis le but. On dirait le blanc de section d'assaut, ouais, c'est vrai que je ressemble à Masca. Je ressemble à Masca un petit peu, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup les gars pour les messages que je reçois sur Twitter, ça me fait chaud au cœur. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Nouvelle aventure pour mes abonnés aussi, parce que voilà, avant vous avez peut-être pas l'occasion de me voir tous les jours, là vous allez me voir ma grosse gueule tous les jours, en plus de YouTube. Donc je pense que ceux qui me suivent sur YouTube, ceux qui aiment bien ce que je fais sur YouTube, ça leur apportera que du bonus. Après, vous serez pas obligé de venir tous les jours, hein, ça c'est sûr. Mais oh là 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 là, FCB, je vais te tuer. Non là faut se concentrer, on peut pas perdre deux matchs de suite. Et voilà, donc y a que du bon. Et puis comme le boss l'a expliqué tout à l'heure, j'aurais pas que la TV FIFA. C'est aussi pour ça que j'arrive ici, c'est parce que j'ai envie de mettre en place beaucoup de concepts pour vous et pour vous proposer du contenu qui a jamais été fait, des nouveaux trucs. J'ai énormément d'idées, vous savez que je suis un mec qui réfléchit beaucoup, ça se voit pas. Mais vous inquiétez pas, je travaille et une grosse émission sur la TV1, donc voilà. Mais on vous en dira plus dans les prochains jours sur ça. Ah, ça tisse déjà. Ça dit quoi les pizzas, frérot? Ouais, parce que. Tu veux quoi, quoi? Si jamais. Oriental, j'aimerais bien. Oriental? Ouais, mais y'a que ça ici qui passe comme pizza. Mais pas faire difficile. Oriental, c'est quoi? C'est des merguez dedans? Ouais, c'est. Ouais, y'a un œuf au milieu. Ouais, je vais voir. Mais te casse pas la tête, moi j'ai juste faim. Si y'a pas d'œuf, il mange. T'inquiète pas. Je peux pas faire le difficile. Tu mets la 0 gros maintenant. Ouais, j'ai surtout rage quitte le match d'avant, ouais. Est-ce que tu veux que je t'enlève? Arrête, me suis pas péno. Non, t'inquiète, ça va aller. Faut juste que je me remette de mes émotions et ça va aller. Est-ce que tu veux le temps de mettre un petit but pour te remettre en pensée? Non. Okay, si j'en prends un deuxième, j'aurais peut-être besoin du frérot sneaky, mais. Puis là, la loyale, je vois. Parce que là on va bouger, c'est pour ça que tu veux. Ok, non, t'inquiète, ça va aller. Je le sens bancal. S'il m'a mis un but, je le sens. Je le sens frileux. Tu t'as pas galère demain, frérot? Je sais pas du tout. Peut-être. C'est ça, Eclipse, on sait pas de quoi il fait demain. Exactement, peut-être demain je serai plus là, les gars. Je vais partir en Indé, je sais pas, on va voir. En léger.
Tu vas faire de la concurrence? Non, en vrai, là, normalement, j'étais en week-end aujourd'hui, mais du coup, je suis venu. Du coup, faut voir demain quelle heure je fais. Peut-être. Super, on va voir. Toi, c'est pareil, tant qu'il n'y a rien, soit t'es bien, tu viens à 20h et tu repars vers 23 minuit par là. Oh, oh, boum! Non, il y a rien. Oh, le gars, c'est bien joué! Beau, celui-là. Qu'est-ce qu'il est fort? Ça va. Il a déjà commencé à frapper les cuissons avec fierté, c'est beau ça. Bon, je vais pas. Ouais, Matt, 40, frère! 40, c'est propre quand même, hein. Et ce serait cool une émission sur le foot, ouais, mais comme je vous ai dit, moi j'ai beaucoup de projets et il y aura des nouveaux trucs, ça, il y a pas ouais. De... Déjà, je peux déjà vous dire, mercredi, il y aura une émission orientée un peu par l'autre de foot et justement... Péfut, il sera là ou pas? Ouais, Péfut, il sera là avec Schneider et Valouz. Okay. Les trois paris. Ah, mon Valouz, on discute depuis l'autre fois, là. Ouais. C'est un bon pronostiqueur. Mais... Ah, c'est marrant, ça, ouais. Ah, lui, il trahère, tout ce qui est pronostic... Paris, mais il était dégoûté parce qu'il avait joué Paris gagne de 2 buts ou plus contre Lorient hier, mais moi il m'aurait demandé, moi je l'ai joué le Paris gagne d'un but. Ah j'ai vu ça. J'ai vu que tu l'avais non t'as mais t'as vu j'ai mis une petite somme parce que j'étais pas sûr. Balles, mais mon analyse, elle tenait debout parce que je me suis dit après la claque tu vois ils vont pas. Ils vont gagner. Et puis Lorient ils se disent oh les mecs ils viennent de prendre 6-1, c'est peut-être maintenant qu'on peut faire un truc, tu vois ce que je veux dire. Tu sais personne qui perd derrière contre la voilà. Corogne, je sais pas quoi. Il est vraiment en train de vivre à la Kate James, hein. C'est incroyable. Casino, jeu sportif. Oh, tu vas au casino un petit peu, on parlait de ça là avec Sticky. Parce que j'ai été au casino hier. On pourrait se faire une bonne soirée. Hein. Ouais. Jamais en France? Non. Après, je t'avoue, je préfère Deauville. Parce qu'en gain, payer 16€ l'entrée, ça fait chier. Okay. Mais bon, après, c'est plus près donc. Deauville, c'est quoi? C'est l'air d'euros, c'est ça? En plus, Deauville, c'est, je sais pas, 2h30. Tu fais quoi à Deauville? Parce que c'est cool un peu Deauville, c'est pas un festival. Deauville, t'emmènes ta meuf. Moi, j'ai emmené ma petite meuf là-bas et t'es content. Aïe aïe aïe. Tu vois, un petit week-end, tu vois. C'est quoi? C'est le Cannes de l'île de France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Le Cannes de. Non, c'est pas en île de France, frère. C'est plus du côté de Caen, tout ça. Tu vois, tout ça. Ouais. Je prends des affaires, on y va le faire. Vas-y. Ouais, t'as vu Ramos, il a encore sauvé. Encore marqué là, encore là, première. Pour le Real. C'est un fou. C'était 1-1, 82ème, il arrive, boum, la tête. C'est incroyable. Hein. Tu sais qu'il a déjà mis 11 buts cette saison. 11 buts, je crois. Il me semble que c'est plus que l'ancien, c'est comme ça. T'en penses quoi des oreilles de Guedes? Je pense que c'est un mec qui écoute beaucoup dans le vestiaire, et ça c'est bien. C'est important. Bon les viewers, j'ai passé une trop bonne journée avec vous les gars. Dites au revoir à Sneaky quand même, il a fait son 40€ les gars. Les bébés, bye, bisous. Merci à tous ceux qui l'ont soutenu aussi, c'est hein, cool. Parce que je pense que ça a aidé. On a fait plus, ouais, c'est grâce à vous les gars, 40€ il est pour vous. Hein. À demain ou je sais pas quand, mais normalement tu devrais revoir ma gueule. Ouais, je vais aller te dire. Je te donne mon code, je te donne mes codes si tu veux. Je suis parti pour percer. C'est quoi les codes? Non, pas tout de suite, on se connaît pas encore assez. Ça va, tu veux pas. Reste, je mets un but pour toi, regarde. T'es prêt? De l'attente, externe. Oh! Allez, salut le frérot! Attends, je veux quand même. J'attends que tu récupères. Oh! Ouais, tu me dépêches mal! Le Uber arrive! Ok, le Uber il attend, tu lui dis Péfut il joue! Il va comprendre! Bon, le frérot! T'as ça gros, à demain? Ciao! Ouais, à demain, y'a pas de soucis! Ah, Péfut il équipe ça, les gars, let's go! Ce mec il est complètement fou, les gars! Franchement, il est complètement fou! Si je perds un tête à tête, je te tire dessus. Vous en pensez quoi d'autopsie 0? Booba, il se fout vraiment de notre gueule, hein, ce petit enculé. Non, faut être honnête. Booba, j'ai plus aucun respect pour lui, c'était mon rappeur préféré. Mais là, c'est bon, le mec, il parle du PSG et de Paris dans toutes ses chansons. Paris, prennent 6-1, il clash. Voilà. Donc à partir de là, son image pour moi, s'est détériorée. Mais par contre, le autopsie 0, pas compris le concept. Hein. Genre, ça a dit, il a fait un nouvel album. Mais quel nouvel album? C'est des sons déjà sortis. Enfoiré, c'est quoi ce but? Mais on va quand même se mettre la playlist parce qu'elle est bonne. Franchement, elle est bonne parce que c'est du gros son à l'ancienne et ça fait du bien. J'ai des courbatures aux jambes, c'est atroce. Oh, il y a un cadenas, je vais le prendre pour la salle, ça. Ne dites pas, les gars, s'ils demandent qui a pris le cadenas. Mais c'est vrai que ça, c'était du son incroyable. Hein. Ça, c'est du son incroyable. J'ai un putain de salaire, là. Putain de sa mère, allez, let's go! Putain, ils sont difficiles les adversaires là! Avec du son comme ça, les oreilles, je peux pas perdre, tu vois. Oh, ce serait dommage de finir en négatif quand même. Ah, Paul Pogba, t'oublies le ballon! Un peu molle.
Kenobi. Allez les gars, envoyez de la sophore, là on est en 5-4, c'est affreux. Il faut se relever. Si on perd celui-là, franchement c'est affreux. Non, je veux pas déclarer forfait frérot, pas encore. Je vais rejouer en zone de danger les gars, ça va revenir. Allez, let's go. Zone de danger, y'a pas de danger, on la donne. Là y'a du danger, on revient. Faute. Bien sûr. Merci le frérot. On est ensemble. On est ensemble Axel. Ok, let's go. Touche. Donc là regardez, zone de danger c'est simple. Plus le mec s'approche de toi, plus la zone de danger s'agrandit, tu vois ce que je veux dire. Là y avait beaucoup de chances de rater la passe, tu vois, c'est un choix totalement con que j'ai fait. Là lui sa zone de danger là elle s'est élargie aussi. C'est des mauvais choix. De mauvais choix. Je peux pas jouer contre un mec qui fait de mauvais choix. Perdre plutôt. Ça serait mal joué aussi. Bon allez ferme ta gueule et joue mon frère. Qu'est-ce que ça joue mal là, ça dégage les ballons n'importe comment là. Une patate chaude le ballon, on dirait vraiment PSG Barça là quand on la relance. Allez on va calmer le jeu. J'ai dit calmer le jeu. Là y'a pas de zone de danger, là y'en a un peu, faut revenir, faut pas. Là y'a pas de zone de danger, il est tout seul. Là non plus. Le problème c'est qu'il aurait raté, c'est pour ça que j'ai fait la PES, enfin la passe, en retrait, parce qu'il aurait raté là. Je pouvais pas tirer, il était trop près du goal. Non tu vois là j'ai joué une petite séquence mignonne, on peut la réitérer je pense. Sauf si on en prend un là c'est chaud. Je passe pas. T'as vu, t'as quitté la chômeur vie, ça y est les gars, on est officiellement des travailleurs, on cotise pour la retraite là, ça y est. Même si à mon avis, d'ici que je sois retraité, les retraites françaises n'existeront plus. C'est-à-dire que là les mecs, dites-vous juste qu'on cotise pour nos retraites. C'est une cote à indice qu'on n'aura pas de retraite plus tard. C'est très triste à dire, mais le système français fait que ce sera comme ça, je vous le dis. Chatte à ton père. Il m'énerve à tricoter là. Allez, let's go. Allez, let's go les gars, let's go. Par contre, faut que j'arrête de dire let's go, mais depuis que je suis ici là, les mecs disent tous let's go, je sais pas, ça doit être les joueurs LOL et tout, même les meufs, elles disent let's go. Du coup, je sais pas, pris le rythme. T'envoies des textos. Comment tu me loupes ça, foiré? Pépé, tu t'es battu? Non, pas encore. Je vais rester en dev, il y a du temps, faut pas que je craque. Je vais arrêter de parler, me concentrer parce que là je fais un match atroce. Mais le nouveau streamer il a pas de niveau sur FIFA. Ah, c'est vrai que là je vous donne pas la meilleure image de moi-même en plus. Hein. Ah! Oh il m'a mis le bouillon! Oh il m'a mis le bouillon! Neymar Thomas Meunier, vraiment! Ah ça va être dur là. Putain, c'est quoi ce fut de champion là? C'est quoi ce fut de champion les gars? En plus, les mecs ils arrivent, ils voient 40-0 le ratio, ils disent ouais, il est chaud lui, le nouveau streamer là. Putain. J'ai l'impression qu'il était inoffensif ce bâtard, il m'a mis le bouillon sur une action. Tu kiffes MMZ, je connais pas trop frère. Je connais de nom, mais j'écoute pas. Ah là, Pfut il craque. Ah y'a pas faute. Y'avait faute. Il est sympa l'arbitre. Les arbitres sont sympas en ce moment les gars, c'est à la mode. Soixante-douzième c'est faisable en vrai. Allez les frérots, allez. Oh, ce coup de physique. T'es au Walcott, t'es un homme. Même une femme elle prend pas le coup de physique là. Tellement l'avance elle était, oh c'est énorme là. Putain je me voyais déjà dans les cages. Allez, let's go, c'est pas fini, mais putain, celui-là fallait le mettre. Non! C'est pas bon, les gars. Le SAL. Moi, je suis impatient de voir le match de Lyon jeudi. Franchement, ils m'ont régalé, Lyon. Je sais pas s'il y a des Lyonnais dans le chat, mais ils m'ont régalé de ouf contre la Roma.
C'est moche parce que lui il était pas ouf hein, au niveau du level. Oh là 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 là, franchement BG. C'est bon. Les gars, là ce soir c'est affreux. Ils sont trop forts pour moi là. Sneaky, reviens. Faut pas que tu t'en prennes 3. Pourquoi tu portes l'œil comme ça aussi? Putain. J'espère les mecs qui viennent de me faire signer le CDI, ils disent putain le bâtard. Quand il était en période d'essai, il était grave chaud et là il a signé le CDI, c'est bon. Ah c'est trop tard, vous avez signé.